Bigo, je l'aurai pas sur. Alors voilà. Donc. Bon, il y avait longtemps. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu de coupure. Voilà. Hein, que j'ai pas vu. Donc, ils ont coupé la vidéo. Bon. On va finir la dernière. Hein. Donc, c'est peut-être parce que j'ai mis deux fois Country Road. Peut-être. Donc, je ne sais pas. Bon. Vous me direz hein, si ça va. J'aime bien avoir vos impressions par rapport à des danses comme ça. Hein. Et vous me direz un petit peu bon, si ça a été, s'il manque un petit peu. Parce que pour moi, dans ma tête, c'est comme si je faisais un cours. Donc, c'est un peu une question que je pose. Voilà, quand j'ai fini, je dis, bon, ben, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il faudra revoir? Voilà. Hein. On essaie de rester voilà, le plus naturel possible. Donc, on va finir avec Codigo. Hein. On a fait une bonne session aujourd'hui. Alors, je suis dégoûtée parce que bon, faut toujours couper les vidéos. Ben, maintenant, je vois, maintenant vous avez l'habitude, vous savez que je vais renclencher tout de suite. Donc, merci de votre patience. Hein, c'est vraiment pénible quoi. C'est compliqué par rapport à ça. Mais bon, alors déjà bon, ça va, ils nous laissent quand même faire. Demain, si on la refera, Country Road, je la mettrai tout à la fin de la vidéo. Et puis, genre, on la fera qu'une fois. Hein, on fera déjà une fois, au moins jusqu'au truc. Après, pour la vitesse, ça, vous verrez, on verra plus tard, vous verrez en bas. Déjà, bien savoir. Une fois que vous savez bien vos enchaînements, vous pourrez ajouter toute la vitesse que vous voulez. Hein. Allez, Codigo, il y a longtemps qu'on ne l'a pas faite. Hein, une débutante, 32 temps, 4 murs, il y a un restart. Alors, je vais regarder la fiche parce que moi, il y a longtemps que je ne l'ai pas faite non plus. Hein. Je suis pas, j'ai pas la science infuse et j'oublie aussi. Hein, et voilà, puis ça s'accumule. Pour ça, Donc, le restart sera au troisième mur, donc à 6 heures. Donc, le restart sera après la série de que je vais vous montrer. Allez. Alors, les 8 premiers comptes, enfin, on va dire presque les 16 premiers comptes, c'est parce que c'est tout des haies. Alors, donc c'est weave à droite, side rock cross, weave à gauche, side rock cross. Vous allez voir les comptes. Donc, 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. On a déjà fait deux sections. Une section là, jubette, une section. On va faire un carré, donc une rumba à droite qui descend. Donc 1 et 2, 3 et 4. On va faire un rocking chair syncopé, donc rock step, pied droit devant, demi-tour et stomp. Moi, je m'en rappelais plus. Hein. On voit tellement de danse. J'ai dû la réviser. Hein. Alors, on recommence jusque-là. Hein. 7, donc les weaves. Weave à droite, side rock cross. Weave à gauche, side rock cross. 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4. 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8 et. 8 et. Alors, step, lock, step, avant droit. Step, lock, step, avant droit. Pied gauche devant. Pour demi-tour, pied gauche devant. Step, lock, step, avant droit. Encore une fois. Step, lock, step. On va faire un rock mambo. Donc, rock, step, avant gauche, mambo. Quart de tour, à gauche. Donc, step, lock, step, avant droit. Pied gauche devant, demi-tour, pied gauche devant. Step, lock, step, avant droit. Rock, mango, avant gauche, avec quart de tour à gauche. Pour bien... Je vais voir si mon téléphone se quitte. Oui. On recommence du début. 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4. 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8 et step, lock, step. Demi-tour, step, lock, step et rock, mambo, car.
Alors, ici, vaudeville, en bas. Donc, forcément, on fait car on est en poids du corps gauche, donc le vaudeville sera la jambe gauche qui va croiser. 1 et 2 et 3 et 4 et rock mambo avant droit. Rock mambo et costard cross. Costard cross. Au lieu de faire coaster step, on fait coaster cross. On recommence du début. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Hein. 7, je vais mettre là pour la rive. 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4. 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2. 3 et 4. 5 et 6 et 7 et 8. Et step, lock, step. Pied gauche devant, demi-tour, pied gauche devant. Step, lock, step. Rock, mambo. Vaudeville. Vaudeville, on ramène. Rock, mambo et coaster cross. On fait un mur. 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4. 5 et 6 et 7 et 8. Le carré qui descend. 1 et 2. 3 et 4. 5 et 6 et 7 et 8 et step, lock, step. Demi-tour, step, lock, step. Rock, step, mambo, car. Vaudeville, vaudeville. Rock, mambo, avant droit et coaster, cross. On va encore faire un mur, hein. Même moi, hein, j'ai encore besoin d'avoir une fois. 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4. 5 et 6 et 7 et 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8 et step, lock, step. Demi-tour, step, lock, step. Rock, mambo, car, vaudeville, vaudeville, rock, mambo et coaster, cross. Coaster, cross, parce que comme ça, on fait une weave. Pardon. Alors, le restart, le seul restart de la danse, donc il est à 6 heures, donc on aura fait les deux weaves, à droite, à gauche, donc weave, side, rock, cross, weave, side, rock, ben, restart. Voilà, restart, on repart du début. Donc vous avez remarqué, les deux step, lock, step, les deux step, lock, step sont avant droit. Hein. On fait demi-tour, on met pied gauche devant, et c'est encore un step, lock, step avant droit. Voilà. C'est corrigé en anglais. C'est bizarre, c'est bizarre. Ah là là. Allez. Bon, Codigo, où est-ce qu'il est? Codigo. Baby, just like you, it's something new. I just had to try. Carré. I didn't plan on it, but a sip and you'll want it. It's a beautiful high. Perfect recipe. Baby, you and me. Secret's been found. Let's pour one right now. I'm talking about Codigo. Take it with me everywhere I go. It's tequila, baby, don't you know? Little sip and you're ready. Vaudeville, coaster cross. Vous attendez le restart qui arrive maintenant. Carré, il descend. Rocking chair. Hasta la cruz. On se met en bocard. Vaudeville. Carré. Step, step.
house, dressed up or not. Vous devinez? Make it a surprise. Go it back and close your eyes. I'm talking about cold and gold. Take it with me everywhere I go. Ça rit, il descend. Pour une chair, ça coupe. Mon avocat, vous devinez. Vous voyez mon beau coast to coast. Mon boca, vous devinez. Alors, au final, bon, j'ai un peu loupé. Donc, en fait, sur le carré, le final, je vais refaire va. Donc, on fait la weave de gauche. Ouais, là, ça ira. Après, c'est le carré, donc on est là, on rassemble, on descend. Sur les derniers comptes, on fait quart de tour face à 12 heures. Donc, c'est fait 1 et 2, 3 et 4. Voilà, on finit comme ça normalement. Bon. Ouais. Bon. Ben, j'espère que vous avez passé hein, encore, on va dire, presque 2 heures en bonne compagnie, surtout au niveau des apprentissages. J'espère que vous avez peaufiné un petit peu des apprentissages. Alors, dites-moi un petit peu vos quelques retours pour que je vois un petit peu. Donc, Country Road, bon, voilà, c'est vrai que c'est qu'une 32, mais bon, la partie, vous avez vu la première partie jusqu'au tac, ça va, mais après, c'est bon, quand on est au bal, on est porté par tout le monde, donc on a envie de la faire tous ensemble, mais là, tout seul, c'est difficile. Déjà, quand vous maîtrisez à fond vos enchaînements, et quand c'est une danse qui revient régulièrement dans les balles, vous l'aurez, vous l'avez pour toujours en fait. Hein. C'est comme The Gambler, c'est pareil. Donc je vous dis à demain, et puis demain il y aura une petite nouveauté débutant encore, hein. Je vais connaître quelques danses, et puis je sais pas encore, donc on fera Country Road une fois, Brandon Human dont là je décortique la redanse encore, je vais pas trop, voilà, je vais pas repasser autant de temps, vous avez toute la décompo sur la vidéo, et puis voilà, je mettrai comme celle-là, vous voyez, moi aussi j'ai dû la réviser parce que je me dis oh là là, elle est loin celle-là, c'est-à-dire que c'était dans les premiers lives, et c'est vrai que voilà, la country, si on n'entretient pas les danses, ben il y a des, voilà, il se passe des choses, hein. Moi c'est parce que bon, en tant qu'animateur, on est dedans, alors on regarde les fiches, tout ça, mais quand on est danseur, si on révise pas régulièrement, ben c'est forcé, hein, c'est un peu plus difficile, hein. Voilà, ben écoutez, je vous dis bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi, en plus il fait beau, il y a un beau soleil dehors, c'est agréable, j'aime bien aller, après je vais me promener dehors un petit peu, boire mon café, ça c'est obligé, et puis je vous fais un gros bisou à maman, ma petite maman, à demain maman, André, ma famille, tu fais un bisou André à Philippe et à Joël aussi, hein, à ta chérie, et puis à demain tout le monde, bonne soirée, bisous, bye bye.